L'ignorance, faut être fort pour réussir à ignorer. En fait, il faut être plus que fort. Parce que pour réussir à ignorer quelqu'un, il faut que notre cerveau soit en adéquation. Bon, je suis super content, j'ai trouvé une nouvelle casquette. En plus, j'adore les casquettes comme ça. Ça, avec une paire de Uggs grises, ça va être incroyable. Je sais qu'il y a tout le monde qui va me dire, viens où tu achètes ta casquette. Venez en Espagne et vous l'aurez. On va tester le Fitness Park de Barcelone, qui a l'air plutôt pas mal. La team, je suis choqué par le Fitness Park de Barcelone. Regardez le monde qu'il y a, et il est que 12h30. Hein. C'est incroyable. Et voyez les filles comme elles sont galbées. C'est un truc de fou. Les... J'en peux plus la team, j'en peux plus. Ça fait 2 heures qu'on s'entraîne, il me dit on s'en va, maintenant on va faire de la boxe. La team, je sais pas comment vous dire, mais à Barcelone, les gens, bon déjà les musculations, les filles, c'est un truc de fou. C'est, elles sont toutes, mais elles ont un corps, mais limite très musclées et des fesses, mais c'est incroyable. Et ils sont très, très, très ouverts. Très ouverts. Donc allez, c'est let's go, man. Allez. J'en peux plus, je vais craquer. La team, je vais craquer. Je vous promets, hein, demain, dès que j'ai fini cette action, je pars au Pérou, loin de Raphaël. Et il m'avait dit, Vivian, tu pourras plus me voir bientôt. C'était pas loin. Non, je pense que pour la reconstruction émotionnelle, il faut qu'on aille là. Mais vraiment, c'est très important. Viens voir. Là, c'est mon idée première qui m'a aidé. Ouais, je te jure. Là, sinon, tu vas vraiment y aller. La team, par contre, en Espagne, je vous promets, hein, on peut pas perdre du poids. Mais c'est incroyable. Oh, là, des jambons de... Merci, je zoome trop. Il y a des jambons de partout. Il y a des trucs de partout. Il y a des hommes avec des lunettes de partout. Rien à voir, mais... C'est incroyable, on peut pas perdre du poids ici, c'est vraiment très fort mentalement. Ou alors faire comme nous, s'entraîner 2 fois par jour ou 3 fois par jour. C'est dingue. C'est vraiment Barcelone, c'est... J'ai vraiment un coup de cœur Barcelone. C'est différent de Madrid. C'est différent. Madrid, c'est plus un peu bobo parisien. Barcelone, c'est plus mec de street, de la street, mec de banlieue. Mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est trop. J'ai envie d'aller lécher le donut et repartir. Regarde-moi ça. La team, c'est un truc de dingue ce restaurant. Regardez ça. Tout maison, tout bio. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Et tout préparé. Hein. Wow. Bon, alors je vous fais cette story, auprès Vivian, d'accord. Donc pour ceux qui sont déjà allés à Barcelone, vous devez connaître bien évidemment cet endroit. Mec, j'y crois pas, c'est quoi ce cerveau? Qu'est-ce que je dois dire? Comment il peut s'endormir? Il prend un thé, on est en train de parler. Bon, c'est la 4e fois que je m'endors quand Raphaël me parle. En gros, ça veut dire que j'ai pas envie d'écouter ce qu'il me dit. C'est simple, quand votre cerveau il s'endort face à une personne, c'est qu'il a, il veut fuir la personne. Non, il veut fuir le discours de la personne, parce que le discours lui fait mal. Mais là, explique le contexte. On est dans un café, en train de discuter, tu prends un thé, on discute, tu t'endors. Alors qu'il est en face de moi et je fais... Waouh. Bref, donc c'est la 4e ou 5e fois je crois que je m'endors. Là, je m'endormais pas là. Parce que juste j'avais une poussière dans l'œil. Vivian, arrête. Mec, je suis en train de t'expliquer un truc sur ce qui s'est passé pour toi. Tu t'endors à la seconde? Non, mais c'est la fatigue, c'est le jet lag avec l'Espagne et la France. Non. Je me suis encore endormi. Pleine discussion. Bon, je suis au bout de ma vie. C'est... Waouh. Pour tester le mental, on va devoir aller dans un hammam ou jacuzzi. Sauna. Dans un sauna à 80 degrés. La dernière fois, j'ai tenu 20 minutes. C'est très, 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 très dur de tenir 20 minutes dans un sauna. Et là, en plus, on doit faire, je sais pas combien de fois, d'abord courir dans les escaliers avec 5 étages, je sais pas combien de fois. Et je dois faire 300 abdos dans l'hammam. Je vais vous montrer l'état que j'étais la dernière fois quand je suis sorti du hammam. Hein. C'est dur. Ce que j'essaie de dire, en fait,
c'est qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à passer sur cette planète. Donc il faut vraiment essayer de profiter de chaque instant avec ce qu'on aime. Et le chemin qu'on choisit de prendre peut parfois être effrayant, nous faire... Quelle action a pu être très difficile quand on était en Irlande ? Oh non, 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 je peux pas en faire cette merde. Hein. Non, 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 comment je fais que t'es comme... Viens. Non, pas du tout. Dis bien. Oh non, non, non. Non. On va pas en faire le hammam à 80 degrés.